Alors, on retrouve toujours la petite languette, les aérations au niveau du pouce et un peu plus haut du poignet. Là, on va les mettre, on va les essayer. Déjà, quand on rentre, c'est plus léger que les gladiateurs. C'est du cuir, c'est normal. Le scratch, je trouve que c'est la même chose. Ils tiennent très bien les deux au niveau des poignets. Mais bon, c'est plus léger quand même ceux-là parce que c'est du cuir. Je vais vous montrer tout ce qu'on peut custom sur ce gant, c'est-à-dire tout. Même le petit 8. Donc, on peut customiser le Venom juste ici, le Venom là. On peut customiser les bandes. On peut customiser les coutures. On peut customiser l'avant du gant, le pouce, le scratch avec écrit Venom, le petit signe Venom, encore le petit signe Venom. L'intérieur, on ne peut pas le customiser, mais ça importe rien du tout. L'avantage d'un gant custom, c'est qu'on le fait comme on veut et avec ses goûts. Ces gants, je m'en sers pour les compétitions. Je vais vous faire une petite démo pour voir comment ils sont solides. Je vais vous faire la petite démo sur ces gants custom Venom. On sent vraiment que c'est du cuir, c'est plus souple. Vraiment des gants très légers, je les néglige pas, c'est franchement, je les pousse à bout, ils ont jamais bougé, ils sont super. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. À la prochaine.